Nous avons pris l'engagement, mais l'engagement ensemble. Moi-même, bien évidemment, le directeur général ici présent, les autres directions, direction de promotion, direction de protection, coordination des présences territoriales, services de plainte, etc. Nous avons pris l'engagement donc de renforcer l'institution, mais aussi de remplir les attributions définies dans la loi organique de l'OPC. Et l'une de ses principales attributions, c'est justement la soumission de rapports de manière régulière. Car, mes très chers amis, prenez besoin de le dire, en matière de droits de l'homme, il ne suffit pas seulement d'observer ce qui se passe, d'observer la situation des droits de l'homme. On doit les documenter, on doit les analyser, on doit aussi les présenter de manière méthodique, avec bien sûr des recommandations irrelatives. Le document que vous avez en main prend en compte d'abord les différentes activités réalisées par l'OPC avec ses partenaires internationaux, Avocats sans frontières, notre partenaire officiel, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, la MINUJUST, les différentes ambassades, particulièrement l'ambassade des États-Unis d'Amérique sur la question de la traite des personnes. Donc, dans une première partie, on va vous donner de plus en plus de détails. Ce sont les activités réalisées avec les partenaires. Et dans une deuxième partie de ce rapport, eh bien, nous présentons l'état de la situation des droits de l'homme pour l'année 2017 et 2018. Bien évidemment, les recommandations formulées aux autorités politiques, aux décideurs politiques au plus haut niveau. Nous avons environ plus d'une vingtaine de recommandations qui sont insérées dans ce rapport. Je tiens son plaisir pour moi pour participer à l'activité ça avec OPC, qui sont organisations extrêmement importantes, qui sont institutions très importantes que Mme Boumounio fait plus sensibilisation pour les reconnaître, parce que c'est une institution qui présente rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Donc c'est l'image ça nous débat tête pour les rentrer dans tête paquet. Et on va regarder comment ils ont accentué sur le paquet de Port-au-Prince, qui je dis en bon l'autre orientation. On va regarder comment ils sont arrivés dans le chapitre recommandation, surtout pour les arrestations arbitraires, pour la détention préventive prolongée, donc pour le respect des libertés des citoyens, ouais, comment ils mettent en phase et féliciter le paquet Port-au-Prince. Et je dis en son occasion pour moi pour non seulement féliciter tout substitut commissaire du gouvernement qui comprend des marches et que faut qu'on travaille pour la République. Je profite de remercier Synergie qui est développée au niveau paquet de Port-au-Prince entre le doyen, le bâtonnier et le commissaire du gouvernement qui fait, je dis, hein, nous gagner autant de résultats malgré nous, nos périodes de crise, malgré la situation difficile. Mais tout le monde a constaté que la situation a amélioré, que ce soit en termes d'administration et de gestion au niveau du parquet, que ce soit au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, nous avons dit nous avons une grande amélioration. Donc, félicitations à eux et encouragez-nous davantage pour nous continuer de travailler pour le pays, hein, pour nous continuer de rationaliser le parquet, hein, pour nous continuer de faire travail, nous, parce que je toujours dit, dans la société, ça, nous ne pouvons pas faire promotion seulement pour ça qui n'est pas bon. Et je toujours dit, même énergie nous développer pour nous critiquer, qui sont bons bagailles, qui vous permettent l'autorité d'avancer, mais il faut déployer même synergie, ça, même énergie ça, pour nous dire ça qui est bon. Donc nous allons continuer à travailler dans le niveau paquet pour nous avoir plus de résultats davantage et nous profiter pour nous féliciter encore une fois OPC et nous féliciter les protecteurs citoyens qui aujourd'hui font un travail louable avec rapport 2017-2018. Et nous avons dit ça, c'est un exemple
Je me toujours dit qu'il faut nous bailler bon exemple. Son exemple de reddition de compte, son exemple de résultat. Moi, je ne suis pas d'accord pour un pays, pour mon travail comme citoyen. Ça, c'est proposition PAM pour nous bailler en gestion axée sur résultat. Je pense que si toute administration publique tente suivre le même principe, je dis un pays, on a géré mieux et on n'a pas gagné autant de goy au niveau de la population civile.